Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement de la nouvelle saison avec Lyon, l'épisode numéro 18 de la carrière. Au programme de la vidéo, les matchs amicaux, premier match contre la Sampdoria, deuxième match contre Liverpool et troisième match contre la Corogne. Notre objectif en championnat cette saison est d'être sacré champion. Koné est donc parti à Montpellier en fin de contrat. Malbranque est lui parti à Angers. On a réussi à faire signer Nkoulou et Alisson gratuitement, car ils arrivaient en fin de contrat avec leur club. Notre objectif en Ligue des Champions va être d'atteindre les 8e de finale. Et en Coupe de France, nous devrons remporter la Coupe. Nous disposons donc d'un budget de 22 millions pour réussir nos objectifs. Et voilà les deux joueurs que nous avons recrutés gratuitement déjà. Alisson, un très bon gardien de 23 ans. Et Nkoulou, un bon défenseur de 26 ans, 80 en général. Il sera donc titulaire avec Umtiti cette saison. Autre recrue arrivée du centre de formation cette fois-ci, un très talentueux milieu de terrain, 69 de général à 16 ans seulement, un très bon potentiel. On va donc commencer les départs de ce mercato avec la vente de Labidi à Sochaux. On a donc vendu le joueur pour 300 000 euros et un premier match contre la Sampdoria. Voici l'effectif, on met l'équipe 1 avec en attaque Lacazette Beauvu, notre nouveau défenseur Nkoulou est titulaire en défense. C'est parti. Fin du match, courte victoire 1-0 contre la Sampdoria. Un bon match de nos joueurs, 9 tirs, 5 cadrés pour nous, 2 tirs, 1 cadré pour eux. Ferry est nommé homme du match avec une très bonne note de 7,9. Il a fait la passe décisive pour Clément Grenier qui venait d'entrer en jeu. Il a inscrit le seul but du match. Une bonne victoire 1-0 à Gerland pour ce premier match amical. On continue le mercato en prêtant Olivier Kemen, notre milieu de terrain de 20 ans, à l'Estac de 3. Prochain match contre Liverpool, c'est cette fois-ci Fekir qui a remplacé Lacazette en attaque. C'est parti pour le match qui commence dès la 5ème minute avec un bon tacle défensif de Grimaldo. Un coup franc de Valbuena qui arrive sur la barre transversale de Mignolet. On passe pas loin de l'ouverture du score sur ce tir. À la 19ème minute, Beauvu sert Sergi Darder en profondeur. Mais sa frappe est repoussée par le gardien en corner. Un quart d'heure avant la fin du match, Doun va se jouer de notre défense. Il va parvenir à frapper, mais heureusement, il tire juste à côté. Et à la 87ème minute, une erreur de Umtiti qui remet la balle pour le but de Lallana. Heureusement, ce n'est qu'un match amical, mais ce but nous coûte donc la défaite à cause d'une erreur de Umtiti. Mais de toute façon, on ne méritait pas la victoire. Liverpool qui nous a dominé 7 tirs, 3 cadrés pour eux, 3 tirs, 3 cadrés pour nous. Match défaite 1-0. Dernier match amical contre le Deportivo La Corogne. Un match qui se jouera à domicile et on fait tourner l'équipe avec Gabriel, Nouri, Chevalier, notre jeune joueur, Ferry, Touzard, Rose, Nguini, Morel, Mendy et Alisson, notre nouveau gardien, en titulaire. Le match qui commence dès la 4ème minute avec un débordement et Gabriel sur le côté droit qui centre pour Lacazette qui place une tête, ça passe à côté. Une occasion pour la Corogne qui va obtenir un pénalty pour un tacle de Morel par derrière. Lucas Pérez se présente face à Alisson mais Alisson remporte son duel et repousse la balle. Très bon début de match de notre nouveau gardien. On va ensuite tenter une frappe de loin avec Chevalier qui est arrêté par le gardien. À la demi-heure de jeu, une double mauvaise relance de notre défense. Le tir est arrêté par Alisson une nouvelle fois. Notre gardien qui nous sauve.
et retour des vestiaires, Alexandre Lacazette entre dans la surface, frappe, c'est repoussé par la défense vers le gardien qui se saisit du ballon. 62e minute, Fekir entre en jeu, tente une frappe du droit, c'est repoussé par le gardien en corner. Un tir enroulé qui aurait pu rentrer. Et sur le corner, la tête de Lucas Touzard est repoussée une nouvelle fois par un gardien en feu. Et c'est à la 87e minute qu'on va encaisser une nouvelle fois un but. Deux matchs d'affilée qu'on se prend un but dans les trois dernières minutes de jeu. Un but de Juan Dominguez qui permet à la Corone de s'imposer 1-0 à Gerland. Une deuxième défaite d'affilée, mais heureusement ce n'est qu'un match amical. Dans cette vidéo, on aura donc joué les matchs amicaux. Une défaite 1-0 contre le Deportivo La Corogne. Une défaite contre Liverpool 1-0 une nouvelle fois. Et une victoire 1-0 contre la Sampdoria dans le premier match. Dans la prochaine vidéo, on aura directement une finale du trophée champion contre les Girondins de Bordeaux. Il faudra prendre notre revanche, eux qui nous avaient battus en finale de Coupe de France la saison passée. On jouera aussi le premier match du championnat contre Monaco, un match contre Lille et peut-être un match contre Rennes. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Proposez-moi des joueurs à acheter pour le mercato. Merci d'avoir regardé la vidéo, salut!